Bonsoir à tous, l'actualité en ce vendredi, c'est la dissolution du gouvernement Patrick Hachi, un décret signé par le président de la République Alassane Ouattara met fin aux fonctions du Premier ministre ainsi que celles des membres du gouvernement. Patrick Hachi et les ministres sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes. Vous entendrez le secrétaire général de la présidence de la République dans quelques instants. Le Sahara 2023 se poursuit et les visites des autorités ivoiriennes continuent. Ce vendredi, c'est le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, qui a visité les différents stands de ce salon consacré à l'agriculture et aux ressources animales. Accent particulier a été mis sur les unités de transformation du terroir, le parc animalier et le stand du pays invité. Et puis du football, le championnat de Ligue 1 démarre le 7 octobre 2023, tandis que le championnat de Ligue 2 débute une semaine après, le vendredi 13 pour être précis. En Ligue 1, l'ASEC Mimosa remet donc son titre en jeu. De nouveaux clubs font également leur entrée dans la compétition. Les forces en présence présentées dans ce journal. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Voici le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023. Conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Hachi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, faites à Abidjan le vendredi 6 octobre 2023. Voilà, communiqué relatif à la dissolution du gouvernement, Patrick Hachi. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales continue d'accueillir du beau monde, parmi eux des autorités ivoiriennes. Ce vendredi, c'est le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, qui a visité les différents stands. Accent particulier a été mis sur les unités de transformation du terroir, le parc animalier et le stand du pays invité d'honneur. Il s'agit des Pays-Bas. Grâce Kando. Au nombre des visiteurs, à ce 8e jour du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, en compagnie du ministre d'État Kobinan Kwasi Adjumani et plusieurs autres membres du gouvernement. La délégation passe en revue les différents stands des pays invités. Les Pays-Bas, pays à l'honneur, présentent aux visiteurs ce casque virtuel. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle qui permettent de voir tout en trois dimensions, en écoutant, en entendant les bruits, les voix des personnes qu'on voit et le paysage qui montre l'agriculture de l'avenir, comme on le voit aux Pays-Bas. Ensuite sont passées également au peigne fin les unités de transformation de produits du terroir, des produits qui améliorent la santé. Ça, c'est du djunglé naturel bio. À tout coup, c'est pas mélangé, on met pas d'engrais, c'est du djunglé qui quitte dans les champs de nos membres. Ça améliore la santé. On fait gna-gna composé, qui contre la tension, le diabète. On a jusqu'à plus de 15 variétés de bananes. On a le foing sombre, on a le pelipita, on a du sassi, on en a beaucoup. Chaque banane a ses propriétés. Ces régimes de bananes sont conseillés spécialement pour diabétiques et personnes âgées. Le parc animalier a aussi capté l'attention des hôtes. Au terme de la visite qui aura duré plus de 4 heures, le haut représentant du président de la République et le ministre d'État montrent tout l'intérêt de ce rendez-vous agricole. Je suis heureux que mes collègues soient vraiment sensibilisés à ça et que les présidents d'institutions soient venus pour visiter, pour voir ce qui se passe. Et le haut représentant qui aujourd'hui boucle la boucle, je suis convaincu qu'auprès du président de la République, il va être notre porte-voix
pour défendre l'agriculture. Toutes ces femmes, tous ces jeunes mobilisés pour la cause du développement agricole n'attendent que des moyens pour entamer cela. Au bout donc de cette visite, je suis nourri de beaucoup d'espoir pour notre pays. Je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie et souhaiter que la jeunesse s'approprie tout ce qui leur est exposé. Je voudrais donc encourager nos jeunes, nos moins jeunes, même les retraités, à s'adresser à nos ministères pour qu'ils aient la possibilité de faire toutes sortes d'exploitations, même dans leur propre maison. Gilbert Kafana Kone a été honoré pour son passage au Sahara et félicité par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani pour sa nomination en qualité de haut représentant du président de la République. On reste sur place avec la signature d'un accord de coopération entre Abidjan Legacy Programme et ses partenaires. Sous l'objectif, un meilleur rendement agricole. Marina Manzan, Franck Okwadio. Abidjan Legacy Programme, initiative dédiée à la restauration des terres à grande échelle. Il s'agit d'un programme pensé par le gouvernement ivoirien pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment dans le domaine de la production agricole. Aujourd'hui, Abidjan Legacy Programme veut lancer la machine. Au Sahara donc, plateforme d'opportunités, surtout dans le secteur agricole. Des partenariats sont noués avec des structures qui peuvent faire avancer les différents projets. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 400, 500 fois, 1000 fois plus d'eau qu'Israël. Et nous faisons face quand même à quelques défis. Et aujourd'hui, grâce à la technologie qu'on appelle l'irrigation, grâce à l'accord que nous venons de signer, cette technologie sera déployée aux quatre coins de la Côte d'Ivoire afin que l'on puisse, d'ici 2030, doubler notre production agricole. Pour les partenaires, le secteur agricole est confronté à plusieurs défis à relever. Avec le goutte-à-goutte, on peut produire plus avec utilisation de moins de ressources. Parce que le goutte-à-goutte peut vraiment être adopté à tous les terrains, toutes les surfaces. Cette union scellée peut booster le secteur de l'agriculture. L'irrigation est pour nous une politique qui doit s'appliquer dans nos exploitations agricoles. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en initiant Abidjan Legacy Programme, a pour souci de nous faire avancer au niveau de notre agriculture, parce qu'en la matière, Israël fait des prouesses. Le Sahara 2023, c'est près de 1300 rencontres d'affaires, 800 entreprises exposantes et plus de 30 pays représentés. Et puisque nous parlons de produits agricoles et de transformation, abordons ce sujet. À Korogo, les femmes qui produisent le beurre de karité opèrent dans l'informel. Les moyens de production sont encore archaïques, ce qui diminue considérablement leurs bénéfices. La problématique a été soulevée à cette sixième édition du Sahara. Si et quoi si, Eugène Atoubé. Dans cette habitation au quartier Petit Paris de Korogo, on fabrique du beurre de karité. L'activité est essentiellement menée par des femmes. Elles sont toutes membres de la coopérative Kérignimé. Première étape du processus de fabrication, la torréfaction de la graine de karité. Un travail long et fastidieux qui exige la présence constante auprès du feu et la force des bras requises pour effectuer cette opération. On grille ça à la main, après ça on écrase ça au moulin. Après le moulin, on vient abattre ça à la main encore avant de préparer. Donc nous ne sommes pas modernisés. Nous travaillons toujours traditionnellement. L'essentiel de l'outil de production du beurre de karité des femmes de la coopérative Kérignimé est du matériel de fabrication locale. Ici, l'étape du malaxage. Une opération délicate est tout aussi difficile que cruciale dans la production d'un beurre de karité de qualité. Et c'est toujours au bout d'un gros effort physique que les femmes y arrivent. De retour de son culte, la présidente de la coopérative rejoint les autres femmes. La pénibilité du travail de production du beurre de karité, elle en sait quelque chose. Aujourd'hui encore, c'est à l'ancienne que la noix de karité est transformée en beurre. On a besoin de malaxeurs pour faire le malaxage de beurre de karité. On a besoin de ça. On a besoin de torréfacteurs. La machine même qui écrase dedans, là, elle-même, elle est fatiguée. À chaque fois, un jour, deux jours, la machine tombe en panne. Il faut toujours réparer. Donc on a besoin de machines, des malaxeurs pour réduire un peu la fatigue. Autre difficulté rencontrée par les productrices de beurre de karité de la coopérative Kérignimé,
la commercialisation. L'essentiel de la production est livré aux revendeuses du marché local. La fixation du prix du beurre de karité vendu au détail échappe complètement à ces productrices. Quand tu dis le prix du beurre, on dit ton beurre est cher. Aujourd'hui, on a 1300. Et 1300, là, il faut voir combien nous on gagne dedans. Donc vraiment, ça, c'est pas bon pour nous. Sinon, on veut regarder le travers même là. On ne peut pas vendre même. Parce que ce qu'on gagne dedans, c'est plus moins, plus que le travail. La production du beurre de karité est une activité traditionnelle essentiellement exercée par les femmes. Un moyen de lutte contre la pauvreté. Mais l'activité souffre encore de la faiblesse de son outil de production. Aujourd'hui, c'est un réel besoin d'équipements modernes qu'exige cette activité spécifique du nord de la Côte d'Ivoire. Changeons complètement de sujet. Le Conseil d'État annonce l'annulation du scrutin du 2 septembre dernier dans les communes de Tiassalé, Dabakala et Kumbala. L'institution judiciaire s'est réunie hier jeudi pour sa cinquième audience de délibération. Konaté Moussa. Les élections seront reprises à Tiassalé, Dabakala et Kumbala. Le Conseil d'État annule le scrutin du 2 septembre dans ces trois communes. À sa cinquième audience de délibération, jeudi 5 octobre, 13 requêtes étaient soumises à examen. Tous les autres recours ont été rejetés par l'institution judiciaire. Les requêtes formulées par les candidats et qui ont été jugées mal fondées par le Conseil d'État concernent les communes de Kwasi-Kwasi-Kru, Gbon, Makori, Dimbokru, Séguélon, avec deux requêtes, Borotou, Issia, Lakota et Madinani. Les résultats proclamés par la commission électorale indépendante pour ces localités sont donc confirmés. Les candidats déclarés élus dans ces communes peuvent maintenant être installés. Coopération dans l'armée. La marine espagnole fait une escale au port autonome d'Abidjan du 1er au 8 octobre prochain. Des exercices militaires avec la marine ivoirienne à travers des manœuvres combinées sont prévues. Walter Amadou Ouattara. Le navire d'action maritime BAM, dénommé Tornado, Tornade en français, est un bateau militaire de type P-44 de l'armée espagnole. Jusqu'au 8 octobre prochain, il est en escale à Abidjan. Dans le cadre d'une convention internationale, ce bâtiment militaire est en mission de lutte contre les trafics illicites et la lutte contre le terrorisme maritime. Nous sommes ici pour faire les activités des militaires avec la marine de la Côte d'Ivoire. Initiative européenne qui s'appelle la mission et l'activité maritime coordonnée. Il est déployé depuis le 5 septembre 2023 sur la côte occidentale de l'Afrique, principalement dans les eaux du golfe de Guinée. Pour l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, c'est la traduction de la bonne coopération entre son pays et ses partenaires africains. La visite, l'escale du BAM Tornado est aussi l'occasion pour renforcer la coopération militaire avec l'Espagne. Il y a plusieurs exercices de coopération militaire qui sont déjà prévus dans l'agenda de l'escale. Et nous allons travailler avec les chefs d'état-major de la marine pour chercher aussi des initiatives qui nous permettront de renforcer cette collaboration et de favoriser les échanges, notamment côté formation. L'escadre du Tornado coïncide également avec la présidence espagnole au Conseil de l'Union européenne. Outre la Côte d'Ivoire, le BAM Tornado fera également escale dans 8 autres pays. Démarrage des cours au préscolaire pour les enfants des structures socio-éducatives dans les centres de protection de la petite enfance et dans les centres d'action communautaire de l'enfance, des crèches et des garderies. La rentrée du 2 octobre dernier concerne près de 20 000 enfants. La ministre Nassene Batouré a visité quelques centres. Amidi Rassouba, Fatou Fofana. Ils ont entre 2 et 5 ans. Occupés à jouer seuls ou entre amis, ces bouts de chou sont loin d'imaginer que leur quotidien va être bousculé pendant les 9 prochains mois. À l'occasion de cette rentrée scolaire 2023-2024, Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a visité deux centres pour s'assurer du démarrage effectif des classes. La première halte est au Cocon du Bonheur. Ce centre spécialisé dans la crèche et la garderie accueille près de 20 enfants allant de 6 mois à 3 ans avec toutes les commodités requises. Ensuite, le cap est mis sur le multicentre de protection de la petite enfance. Il est situé dans la commune de Port-Boué. Il accueille 283 enfants avec une cantine, un réfectoire, des toilettes et des salles d'eau.
Du cocon du bonheur au centre de protection de la petite enfance, les enfants sont initiés à l'éveil cognitif, à la socialisation, aux pré-mathématiques et à l'éveil au langage. Des moments fortement appréciés par la petite Ange Roxane Cassie de la grande section. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom de tous mes amis pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue au centre de protection de la petite enfance, ces peuples de Port-Boué. Oui, à quoi va de notre belle école pour la reprise scolaire 2023-2024. La Côte d'Ivoire compte près de 509 structures socio-éducatives, dont 112 centres de protection de la petite enfance et 159 centres d'action communautaire pour l'enfance, avec deux crèches-garderies publiques et 236 crèches-garderies et centres de protection de la petite enfance privée. Le gouvernement ivoirien entend multiplier dans les prochaines années les crèches publiques. Nous prévoyons 5 en tout cas pour les années triennales de 2024, 25 et 26 dans le Grand Abidjan, Yamsokro-Bouaké, dans les environnements des grands services administratifs comme les tours au plateau, et aussi réduire les difficultés du transport. Et le temps du transport peut être un temps attribué à la famille. C'est aussi une initiative qui permet au moment d'être autonome. Pour l'année scolaire 2022-2023, ce sont près de 18 960 enfants inscrits au préscolaire, soit une hausse de 2,48%. Pour cette année académique, ils sont au nombre de 19 441 qui vont faire leur premier pas dans le monde scolaire. Au chapitre sécurité, trois individus opérant dans la vente illicite de timbres administratifs ont été interpellés par la police. La police qui a donc saisi des timbres fiscaux et municipaux d'une valeur de 13 359 000 francs CFA. Serge Pacomdidi, à Boussanogo. Ils sont spécialisés dans la vente illicite de timbres administratifs. Ils opéraient depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils sont stoppés net dans leur élan. Une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a permis d'interpeller ces présumés trafiquants qui sévissaient entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ils ont été pris grâce à un élément d'immersion qui a établi le contact à l'effet de procéder à l'achat de 100 feuilles de timbres administratifs pour un montant de 120 000 francs CFA. À livrer au carrefour sapeurs-pompiers dans la commune de Yopougon. On me procure les timbres en Chine. Je viens avec dans ma valise. Souvent, chaque valise au moins, je mets un de 5 kilos, 5 kilos. 5 kilos, ça équivaut à 350 pièces. Avec 5 kilos, 350 pièces. Ma valise, voilà. Puis je sors. Quand je sors, je remets à mon ami. Quand lui, il amène la marchandise, il voit son frère. Son frère me donne ce que moi, il peut recevoir. Et puis moi, comme il gérait cabine au sein du palais de justice, plateau, il partait monter aux dames là. Ah, est-ce que ça là, vous pourriez en prendre? Il dit oui, ça marche ici. Quand ils amènent, ils prennent, ils balancent ça aux gens. Cette opération a donc permis à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée de saisir 8 376 timbres fiscaux et municipaux d'une valeur de 13 359 000 francs CFA. En effet, ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA en timbres administratifs qui sont écoulés sur toute l'étendue du territoire national en complicité avec certains agents administratifs. Les enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau de trafiquants. On poursuit en bref et en image. L'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants met en lumière les enfants atteints de paralysie cérébrale. C'est en marge de la célébration de la Journée internationale de la paralysie cérébrale qui se tient chaque 6 octobre. Une marche publique à Marcory et une conférence sont meublées cette journée pour sensibiliser les personnes encore ignorantes de cette pathologie afin que les enfants ne soient plus marginalisés. La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Cette maladie provoque des troubles de la motricité plus ou moins lourds, entraînant l'usage d'un fauteuil roulant. Direction Grand Laou, les conseillers municipaux ont porté leur choix sur Ali Sissoko. Le nouveau maire a été voté sous la supervision du préfet du département, Brahima Chérif. Lansine Bakayoko nous en parle. Ali Sissoko, tête de la liste victorieuse RHDP au municipal de Grand Laou, a à l'unanimité été élu maire par les autres conseillers. Le nouveau dirigeant de l'exécutif communal de Grand Laou entend créer les conditions du développement de Grand Laou via des projets porteurs. Les projets d'urgence
c'est vraiment tout ce qui est réhabilitation de nos infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires. Mais les éléments structurants, c'est notre stade, le stade Henri Conan Bédier. La dernière chose, c'est vraiment l'activité touristique. De manière urgente, nous allons voir avec le parc national d'Azagny, qui est un poumon touristique au niveau de la faune et de la flore, pour que cette offre touristique-là soit une offre réelle. La réalisation de tous ces projets qui devraient changer le visage de Grand Laou nécessite le rassemblement de l'ensemble des forces vives de la région, notamment les couches sociaux professionnelles. On va les encourager, les former, les encadrer, leur donner des soutiens, ça peut être financier, organisationnel, pour qu'eux-mêmes, ils s'occupent, ils s'auto-emploient. Les 4 agents maires ont également été élus, le tout sous la supervision du préfet Brahima Chérif. Ali Sissoko, candidat du RHDP, est sorti vainqueur des élections avec 3130 voix sur les 6488 votants, soit 49,52% des suffrages exprimés. Dans la région de la Nawa, c'est une passation de charge entre le président du conseil régional sortant, Richard Dombaï, qui a passé la main à René Nitro, élu le 2 septembre dernier. Didier Nguessan. Passation de charge entre le président du conseil régional de la Nawa, nouvellement élu, René Nitro, et le président du conseil sortant, Alain Richard Dombaï. Ce dernier invite la nouvelle équipe à consolider la cohésion sociale. Notre ambition était de faire cette région la deuxième région en Côte d'Ivoire. Alors cette ambition-là, je l'ai passée également à la nouvelle équipe pour qu'elle puisse faire en sorte que ce vœu-là, cet objectif soit atteint le plus rapidement possible au bonheur des populations. Le nouveau conseil régional se dispose à poursuivre le développement à travers de nouveaux chantiers. Notre priorité, c'est de faire en sorte que les voies qui vont vers les localités de production de cacao soient régulièrement reprofilées dans la mesure du possible. Notre priorité, c'est la santé, c'est l'eau potable, c'est l'électricité. Nous allons le faire. Nous allons faire ce que nous avons à faire en tenant compte de l'avis de nos parents. Le préfet des régions par intérim a supervisé le passage de témoins prescrivant quelques conseils pour la réussite du mandat. De nombreux administrés ont fait le déplacement pour prendre part à cette passation de charges. On se rend dans le village de Dabadougou, dans le département de Madinani, où les populations ont pris d'assaut les mosquées et autres espaces de prière pour célébrer le Maoulid 2023. Mamadou Kouassi. Plus de 10 000 personnes réunies autour des lacs Ousmane Doumbia, appelé communément Lagi Daba, à Dabadougou, dans le département de Madinani, dans la région du Kabadougou, pour implorer Allah. Implorer Dieu pour la paix et le développement en cette période de célébration du Maoulid. Les cadres du Denglé formulent également des vœux d'assistance à la jeunesse ivoirienne. Il faut que les jeunes arrêtent de prendre la drogue. C'est eux qui sont l'espoir de demain. C'est eux qui seront les cadres de demain. Nombreux sont ces fidèles musulmans venus avec des intentions personnelles. Nous sommes venus précisément pour les bénédictions, pour avoir la science du Saint-Coran et la science de la vie. Les années passées, on a vu des choses qui ont été changées en notre vie. Nous sommes venus pour prier pour les défunts, la famille, la paix dans la famille surtout. Soutenu par plusieurs guides religieux et chers venus de différentes régions de Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, Lagi Daba a fait des bénédictions pour la stabilité du climat social et surtout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, nous avons des pèlerins ivoiriens en Israël, nos reporters également, qui retracent pour nous les pas de Jésus. Allons à la rencontre des lieux saints dans ce pays avec Lassina Ouattara et Diamasso. Les pèlerins ivoiriens ont ceci de particulier, celui de transmettre aux autres peuples leur ferveur, leur enthousiasme et surtout leur dévotion dans tous les lieux où ils posent des pas. C'est ce qu'il a été donné de constater au bord de la mer de Galilée ou lac de Tibériade en Israël. Des chants à la gloire du Seigneur, puis l'hymne national pour marquer la présence de la terre des Burnies en terre sainte. Sur les eaux paisibles du lac de Tibériade, l'on a rappelé les faits bibliques qui invitent à suivre plus que jamais le Christ. Jésus a marché sur l'eau. Nous sommes venus, nous avons rappelé ces faits. Nous avons profité pour dire merci au Seigneur qui nous a gratifié de ces moments exceptionnels. Pour nous, c'est éducatif, pour nous, c'est historique,
mais pour nous aussi, ça renforce notre foi. Autre endroit, mont des Béatitudes, c'est là que le Christ a prononcé le sermon sur les Béatitudes selon l'évangile de Matthieu. Moment aussi de prière et de partage de la parole de Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous voyons la Bible en image. Et je crois que Dieu fera la grâce à tout chrétien de venir voir ce qui est écrit dans la Bible de leurs propres yeux pour que leur foi ne défaille en rien. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Jésus a vraiment existé. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et le verset 9 de ce Matthieu chapitre 5 disait ceci que on reconnaîtra les véritables enfants de Dieu par leur capacité à répandre la paix. Et justement, Christ a fait de nous des ambassadeurs de paix. Les pèlerins se sont aussi donné rendez-vous à Capharnaüm, ville en Galilée autrefois prospère, où Jésus a opéré des miracles et enseigné la parole dans la synagogue jouxtant la maison de Pierre. Après ces visites, c'est à Bethléem, ville natale du Christ, au bord du Jourdain, que se sont retrouvés les pèlerins. Moment une fois de plus mis à profit pour se rappeler le baptême du Messie, fondant ainsi sa mission terrestre, celle de sauver les hommes du péché. Du sport football, avant de refermer les portes de cette édition, le championnat de Ligue 1 Côte d'Ivoire démarre demain, le 7 octobre 2023. L'ASEC Mimosa remet donc son titre en jeu. De nouveaux clubs font également leur entrée dans la compétition. Voici les forces en présence et les enjeux avec Salif Ouattara. Sous la formule de 16 clubs, depuis la saison dernière, le championnat national Ligue 1, saison 2023-2024, démarre ce samedi 7 octobre 2023. Quatre stades ont été retenus pour les matchs de la Ligue 1. Le stade Robert Champroux de Marcory, le parc des sports de Trèsville, le stade Victor Biakaboda de Gagnoua et le stade municipal de Yamoussoukro. Pour cette saison, la SEC Mimosa met en jeu son trophée de champion de la Ligue 1 face à des clubs qui se sont également investis dans le mercato en recrutant des joueurs expérimentés, comme le stade d'Abidjan avec le portier Boho Sylvain ou encore le FC San Pedro qui s'est employé dans le recrutement des jeunes pépites. Sans oublier l'arrivée dans l'élite de deux jeunes clubs ambitieux que sont Mouna FC et Zoma FC. Favorite, la SEC joue cette saison sur deux tableaux, la Ligue 1 et la Ligue des Champions CAF. Avec ce retour dans l'élite du football africain, la SEC a recruté pour jouer l'Afrique. Mais les actionnaires voudront encore conserver le titre de champion de Côte d'Ivoire, sauf s'ils sont heurtés dans leur ambition par la SOA du technicien libanais Radouane Jalal ou encore la FAD Plateau de l'entraîneur ivoirien Ndriko Firomaré. Bataille donc engagée à partir de demain, samedi 7 octobre 2023. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.